Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis heureux de vous retrouver pour la suite, tout simplement, de la vidéo précédente que vous avez peut-être pas vue. Donc c'est l'occasion d'aller la voir avant de regarder celle-là, où je vous présente 3 beat'em all sortis sur Sega Saturn et qui sont vraiment excellents. Donc écoutez, on y va juste après le générique. C'est parti. Alors, on commence en douceur avec un petit jeu très sympathique, le Neketsu Oyako. Donc un jeu qui, à la base, est un des jeux de lancement de la PlayStation, donc développé par Technosoft, donc les papas, bien entendu, des Thunder Force, hein, comme vous l'imaginez. Donc, gage de qualité d'un point de vue sonore, et je confirme, on est sur un jeu en termes de bruitage et de son très très bon. Et qui vous propose donc d'incarner 3 personnages, donc une famille, qui doit aller délivrer leur mère qui a été kidnappée. Donc vous avez un archétype de personnage très proche d'un Final Fight, avec un gros balèze à la Hagar, et puis 2 enfants avec des caractéristiques très proches de Cody et de Guy, pour le coup. Donc un jeu très très cool, très accessible, pas très compliqué, ça va. Avec également beaucoup de côté fun japonais nippon, notamment dans les stages et dans les ennemis. Un système de combat très proche d'un Street of Rage 3, vous allez avoir une touche pour faire des coups, une touche pour sauter, une touche pour les coups spéciaux. Donc voilà, vraiment un super beat'em all, et puis graphiquement on est quand même sur quelque chose de très très sympa pour un jeu de début de vie, donc plutôt très sympa, jouable à 2, donc rien à dire sur ce jeu, vraiment, on est très très content. Ensuite, on enchaîne avec 2 jeux de chez Capcom. Et oui, Capcom était assez prolifique sur la Sega Saturn, et je vous avoue que moi j'en suis ravi. On commence par le Tenchi Wo Kuro 2, donc Warriors of Fate, donc est un jeu vraiment assez particulier car c'est pas du tout dans un univers médiéval Donjons et Dragons ou on va dire classique de nos jours, mais en fait on est dans un jeu qui se déroule en Chine en l'an 200 durant ce qu'on appelle la bataille des 3 royaumes, donc qui oppose les forces de Shu, de Wu et de Wei, si je ne dis pas de bêtises. Mon chinois n'est pas parfait. Et donc là, vous incarnez les 5 généraux de Liu Bei qui vont friter avec les ennemis donc de Cao Cao. Et tout simplement, voilà, c'est un jeu extrêmement sympathique, très très sympa parce que déjà, il offre une replay value extrêmement forte. À la fin de chaque stage, vous allez pouvoir choisir un embranchement pour choisir la suite de vos aventures et donc pouvoir refaire le jeu à plusieurs reprises, jouable à 2, voilà, vraiment vraiment très très cool. Chaque personnage pourra également utiliser des armes comme des arcs, comme des lances, et également monter sur des chevaux pour avoir une plus haute amplitude et également pour faire plus de dégâts. Donc un super beat'em all qui est très très varié en termes de niveau, d'environnement, d'aventure, on peut même parler d'aventure en effet pour ce jeu, qui est pour moi un des 3 meilleurs beat'em all sur la Sega Saturn. Donc je vous le recommande, et à 2, alors là, un petit bijou. Et enfin, le jeu qui pour moi est le meilleur beat'em all, celui que vous aviez en vignette, il s'agit également d'un jeu de chez Capcom sorti en arcade sur CPS2 en 93 et 96, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'en fait il y a 2 jeux dans ce jeu. Il s'agit du Donjons et Dragons Collection. Donc sorti lui par contre beaucoup plus tard, vous allez voir, en 99 sur Saturn. Donc la Dreamcast était déjà sortie pour le coup. Donc vous avez donc 2 jeux en un dans cette compile. Vous avez tout d'abord le Tower of Doom. Donc Tower of Doom, c'est le tout premier opus, donc qui est sorti, comme je le disais, en 93, et qui pour le coup vous propose d'incarner 4 personnages. Donc vous avez un guerrier, un nain, une elfe et un clerc.
Donc vous allez parcourir justement l'aventure car une tour est apparue et depuis il y a des démons qui sont apparus dans le monde de Mystara, il me semble. Et donc voilà, un jeu vraiment très 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 cool, très très fun, très très beau. Alors, normal, vous voyez Star Impact, il y a une carte 4 mégas également inclus dans ce jeu et le jeu est incroyablement beau, incroyablement fluide, incroyablement dynamique. Vous devez de toute façon le voir à l'écran. On est bien sûr dans un univers Donjons et Dragons, donc qui dit Donjons et Dragons dit RPG. Et donc ici vous pouvez monter en niveau, gagner de l'XP, acheter des items également dans les magasins pour pouvoir démarrer votre stage suivant et bien avec ces items et donc faciliter la progression. Des boss très impressionnants avec des sprites énormes. Le jeu vraiment est une claque, aussi bien technique, visuel d'un point de vue DA, mais également de gameplay, vraiment, parce qu'on a chaque personnage pouvant utiliser des coups et de la magie. Alors, plus ou moins selon votre personnage, évidemment, le clerc va pouvoir utiliser beaucoup de magie, le nain, très très peu, je crois d'ailleurs qu'il en a peut-être pas de mémoire. Donc voilà, et puis sa suite, c'est Shadow Over Mystaria, qui lui rajoute deux personnages, donc un voleur et également un mage, donc le mage, ben, c'est full magie, le voleur a un peu de magie également. Donc voilà, et qui est lui aussi très impressionnant. Il y a un peu moins de choix dans les niveaux que vous allez faire par la suite, dans les choix en tout cas de niveau, mais ça reste vraiment très 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 sympathique et un jeu vraiment à posséder. Alors il est un petit peu cher, mais en vrai comme vous avez deux jeux, ça reste très abordable. Faut compter une centaine d'euros pour la version RAM Pack, un petit peu moins pour le CD seul sans la RAM Pack. Donc voilà, pour moi mon coup de cœur et pour moi le meilleur jeu de Beat'em All sur Saturn, très clairement, que je ne peux que vous recommander. Faites-vous plaisir et achetez ce jeu. Donc on récapitule, on a un Tenchi Wokuro, une claque, un super jeu. On a un Neketsu Oyako, pareil, un très très bon jeu. Et enfin, le Donjons et Dragons Collection, une tuerie également qu'il faut posséder à tout prix, pour moi une des pièces prioritaires sur la Sega Saturn. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation de 3 Beat'em All sur la Sega Saturn vous a plu. Alors c'est pas des reviews, hein, comme je l'ai déjà dit, on est vraiment sur des présentations de type de jeu. On enchaînera certainement avec, alors, peut-être des Beat'em All que je ne possède pas. Il y en a 2 ou 3 que je n'ai pas dans la collection, donc à voir. Après, est-ce que j'aurai vraiment beaucoup de choses à vous dire dessus, je ne sais pas, sachant que je n'y ai pas joué. Je pense notamment à Pirulula ou également à Free Dirty Wood Dwarf, je crois, si je dis pas de bêtises, si je prononce bien le nom du jeu. Donc voilà, bah écoutez, j'arrête de blablater. Moi, je vous dis à très bientôt, jouez bien. Ciao, ciao!